soit petit ou pas, donc j'ai l'intention de frapper. Donc on va continuer sur ce qu'on a vu ce matin, entre autres sur les enchaînements de mouvements, et puis des applications de partiel, donc le sens partiel en fait de certains mouvements. On travaillera un peu, évidemment. Ceux qui n'ont pas l'habitude de savoir l'habitude, hein, c'est juste de l'étude. Ceux qui sont un peu plus aguerris là-dessus, là, vous pouvez un peu plus être engageant dans le mouvement, hein, en tout cas l'expérimenté, puis les autres, vous allez faire l'expérience justement Non, elle n'est pas sortie. Elle est pas sortie. De certains mouvements. C'est quoi ? C'est quoi une abeille ici ? Guêpe, voire plus, mais bon, ça c'est des formes chinoises, c'est ça ? Il vient faire un contagie. Donc, on va comment dire, on va voir quelques enchaînements, les applications partielles de ces enchaînements, et puis on verra je crois que certains d'entre vous pratiquaient le IPA, le CESPA, des choses comme ça. On va voir comment on sur ça. On est tout à coup, en fait, ça laissera en fait un petit résumé de texte en quelque sorte. Un tableau, c'est un archivage technique en fait. Ça va bien mémoriser un geste dans une scénographie quelque part. Hein, ça, c'est un combat imaginaire. Dedans, en fait, finalement, les formes, c'est vraiment typique des arts martiaux asiatiques, les kata, les formes, les taoulous, les poussés. Poussés, c'est en coréen, kata, c'est en japonais, taoulou, c'est en chinois, mais c'est toujours, pour donner la même chose, c'est une forme chorégraphique. C'est vrai que dans les arts martiaux et les sports de combat occidentaux, même s'il existait ce qu'on appelle la boxe dans les quatre directions, la boxe française, l'école militaire de Joinville, il boxait, dans un autre. D'autres époques de la boxe française, parce que j'ai pas vu tout ça, on a l'art martial français, ça s'appelle la boxe française, ça s'appelait savate quand c'était dans les rues, chausson quand c'était rentré dans les salles, et boxe française quand c'était élevé au niveau national. Il n'en demeure pas moins que les boxeurs d'antan, en fait, avaient une garde similaire à certains types d'arts martiaux, et ils boxaient dans les quatre directions, ils faisaient des enchaînements, ils étaient dans les quatre directions. Ce qui fait que c'était en fait le départ comme des carreaux, donc c'était une forme d'archivage. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir l'image. Vous voyez, dans les séparations.